Juste ça, non tout ça. Vas-y, vas-y. Dites à quoi ça vous fait penser à quelque chose? À nouveau de la salade. Ça me fait penser à de l'herbe. De la salade qui a un petit goût de quelque chose. Moi, je veux voir un petit effet sur la langue. Moi. Ah ouais. Vas-y, moi je veux bien. Chez Nat Aventure, on bouffe la nature. Je crois que Nat Aventure m'apporte une belle occasion de partager. Partager mes expériences de voyage, partager mes expériences d'aventure, de défis. Oui, j'ai vraiment envie de partager ça à des jeunes, entre autres, parce que je trouve que la vie, elle nous apporte plein de cadeaux. La nature est magnifique et en même temps, il y a des défis qui sont difficiles. Et quand on a quelques outils, quand on a quelques outils pour traverser les tempêtes de la vie, traverser les défis, ben ça se passe quand même mieux. Et je vois que si j'avais eu des outils personnellement plus tôt, il y a peut-être des conflits que j'aurais gérés différemment, puis il y a peut-être des conflits que je n'aurais pas eu. J'ai beaucoup de plaisir de partager les outils de la communication non-violente et de les partager en les vivant. Par l'aventure, par la nature, par les défis, par le sport, le fait de dormir sous tente et tout. Tout ça sont des outils qui nous servent beaucoup à comment on s'entraide, parce qu'on ne réagit pas tous la même chose quand on est dans une découverte de la grotte, quand tout d'un coup on a pensé qu'il allait faire beau et puis qu'il neige. Comment on s'entraide, comment on se soutient quand il y a vraiment l'aventure qui est là. J'ai beaucoup de plaisir à vivre des aventures où on tient compte de tout le monde. Et comment moi je peux aider à chacun trouve sa place, chacun trouve du plaisir à faire les choses. Voilà. Une des choses que j'apporte à notre aventure, c'est mes connaissances de la nature. Mon regard de biologiste de terrain sur les plantes, les animaux, les roches qui nous entourent, cette conscience que l'être humain fait partie d'un grand tout. La plupart du temps, lorsque j'ai découvert la communication non-violente, c'était dans des salles fermées, avec des néons au plafond, une température réglée. Et là, pour moi, de la vivre en plein air, avec le ciel au-dessus de sa tête, ça a vraiment une autre saveur. Ça permet vraiment d'accueillir ce qui est vivant, ici, maintenant, de faire confiance que chaque chose et chacun a sa place. Ah oui, c'est vrai. Avec ça peut paraître bateau, mais au fond, c'est ça. Notre aventure nourrit mon rêve d'un monde avec davantage de paix et d'harmonie. Vivre ensemble pendant quelques jours, à la fois dans la confiance, l'entraide et l'autonomie, dans le respect du rythme de chacun, en fait, c'est pas seulement que ça nourrit mon rêve, ça le concrétise. Et en plus, on rencontre des nouvelles personnes, on joue, on rit, on reçoit la visite d'un chevreuil ou d'un renard parce que c'est l'heure où il sort du bois. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui prépare le feu pour le repas. Et on finit par échanger sur comment chacun a vécu sa journée en mangeant une raclette chauffée à la braise. Pour moi, partager des moments comme ça, ça a tellement de goût. L'aventure, c'est le plaisir de se retrouver dans la nature, de se réveiller le matin, d'allumer un feu de camp et de le partager avec tous les jeunes et avec mes collègues. C'est un vrai plaisir. C'est vivre les moments présents avec les jeunes, les plus beaux, les plus intenses, ceux qui nous mettent un peu en difficulté. Et puis les vivre autrement, laisser l'espace aux émotions, sans en faire trop, en toute simplicité, juste accueillir ce qui est. Mais c'est ça que j'adore. Pas des fruits, des légumes. Chamallow au fromage. Ça n'a pas l'air trop mal le fromage. C'est bon, chamallow au fromage.